que les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, je ne parle pas de ceux qui sont là, ils n'étaient pas nés. C'était il y a à peu près 10 ans quand on avait lancé une opération avec Carole Château, je crois. Je ne viens pas Carole, parce qu'elle n'est pas loin en plus. Avec Carole Château, qui avait cette délégation à l'époque, on avait lancé une opération qui s'appelait Nimbus. Pour une raison simple, c'est que j'avais eu l'occasion de rencontrer un chien. J'ai beaucoup d'histoires de chiens. Alors celle-ci, c'est plutôt une chienne d'ailleurs, mais on ne le voit pas. Comme les prises de face, c'est comme les radars maintenant. Prendre face pour être certain d'identifier l'individu. Et le chien, comme il avait une espèce de cône sur la tête de fête, ça devient un peu professeur Nimbus, qui cachait, entre guillemets, qui se souvient un peu ça aussi, dans la bande dessinée, qui cachait sa houppette, plutôt on appelait ça comment, une espèce de truc en... Bon, c'était pas une touffe, c'était un tire-bouchon, comme espèce de professeur Nimbus, voilà. On s'est dit, tiens, voilà, un chien, on va l'appeler Nimbus, on va faire une opération de propreté sur la ville. Ça avait été utile, c'était en 2008, il y a pile 10 ans. Ça avait été utile parce que pendant plusieurs mois, j'ai dit même 3-4 ans, la ville était à peu près propre, c'est-à-dire que les gens avaient pris conscience que la ville appartient à tout le monde, à ceux qui nous visitent, à ceux qui y vivent, bien sûr à ceux qui en ont la responsabilité. C'était Xavier Coste à l'époque qui était en charge de cette responsabilité. On l'appelait d'ailleurs Monsieur Propre à l'époque, et il avait d'ailleurs un petit nom en latin, parce qu'il a toujours fait du latin, Xavier Coste. C'est Caius Détritus, c'est lui qui a d'ailleurs créé à l'époque le tri sélectif au niveau de la ville, et c'est la raison pour laquelle il a eu cette promotion comme vice-président d'agglomération en charge de tout ce qui concernait la propreté, le tri, tout ce qu'il a avec, l'assainissement, l'eau, et la politique environnementale de l'agglomération. Merci en tous les cas pour l'action qu'il a menée. Aujourd'hui, on a féminisé un peu, puisque c'est Nadine qui a pris la suite cette fois-ci sous l'étiquette de la ville de Beaune, puisque c'est bien sûr la ville de Beaune qui est ici aujourd'hui représentée à travers l'opération Propreté, c'est la ville propre, mais c'est aussi l'agglomération, parce que quand on a l'ambition de œuvrer pour l'environnement, bah, c'est déjà une compétence agglomération, c'est contagieux, on espère. C'est-à-dire que les 53 communes maintenant de l'agglomération sont bien sûr associées dans cette action, et je remercie bien sûr les ambassadeurs du tri, toutes celles et tous ceux, donc tous les collaborateurs qui sont là, qui font un travail remarquable. C'est travailleurs de l'ombre, pour ceux qui se sont mis d'ailleurs sous la tonnelle, hein. Mais c'est en général une grande efficacité. Mais comme c'est travailleurs de l'ombre, l'idée c'est de les mettre un peu en lumière quand même. Je ne leur demande pas de sortir tout de suite, ils vont venir avec nous. Hein. Et c'est vrai que c'est l'occasion de montrer quel est, entre guillemets, le travail qui est mené par l'agglomération. Et puis de renouer 10 ans après avec cette opération. Alors, il ne s'appelle pas Nimbus. Est asexué, mais c'est une fille, bon, ça peut être aussi un mâle, peu importe, il n'y a pas de différence. Alors vous avez, il y a le choix entre le mâle des champs et le mâle de la ville, c'est par exemple il y a qui est sur fond noir, c'est la nuit, et puis il y en a un autre qui est sur fond vert, nos espaces verts, parce que contrairement à ce que les gens imaginent, c'est pas parce qu'il y a un espace vert qu'on doit aller faire faire sa crotte au chien. On peut faire faire sa crotte, mais l'idée c'est de récupérer, parce que par définition un espace vert c'est un lieu qui est privilégié, protégé, où les enfants peuvent aller jouer. Et la pire des choses, c'est de faire que nos enfants puissent récupérer, entre guillemets, des bactéries dans les excréments d'animaux. Donc c'est la raison pour laquelle c'est déjà une opération de sensibilisation par rapport à ça. Je crois que c'est bien que ce soit le chien qui nous montre l'exemple sur un slogan qui est déposé aujourd'hui par Nadine Bélisson-Redet, parce que c'est elle qui a créé la ville au sens propre. Il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je suis responsable du chien, et responsable du slogan. Donc comme quoi, les deux font la paire. Et l'idée, c'est que ça reste dans les mémoires. Alors je disais à nos policiers municipaux, je ne sais pas comment on va appeler le chien ou la chienne, je disais que Bobby, parce que Bobby, ça fait don, alors c'est un peu anglais, ça fait, entre guillemets, don policier anglais. Je les vois, ils sont très anglais un peu, alors côté Harry un peu, donc voilà. On ne va pas les doter de l'équipement anglais, mais je pense que ce serait pas mal d'ailleurs qu'on puisse les badger, s'ils en sont d'accord, hein, tu m'avais dit, qu'on puisse les badger spécifiquement, parce qu'il y a trois volontaires, on m'avait dit, non, le troisième n'est pas là, enfin, l'idée c'est qu'il y en ait trois, qui puissent dans ces conditions jouer... non pas les pères fouettards, jouer les ambassadeurs eux aussi, pour rappeler qu'il y a une campagne de communication, que pour l'instant c'est sans frais, mais que d'ici 15 jours, donc début de l'été, puisque les enfants vont être en vacances, là ça sera avec frais. C'est de rappeler qu'il y a un arrêté municipal et que la police municipale, par exemple, est là aussi pour faire appliquer les arrêtés, et que l'arrêté municipal, bah, c'est une sanction, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire divaguer un animal. S'il divague tout seul, bah, par définition, non seulement on peut l'amender,
dresser une contravention de 3e ou de 4e classe. Si c'est de 4e classe, c'est encore plus cher, c'est 135 euros. Et si effectivement c'est 135 euros, ça veut dire que c'est le propriétaire du chien. En général, ils ont un collier, ou s'ils n'ont pas de collier, ils ont un tatouage, donc on les retrouve assez facilement. Et au surplus, le pire, double peine, c'est que le chien peut être emmené à Chany, puisque c'est la convention qu'on a au niveau de l'agglomération avec la SPA. Et s'il est emmené à Chany, pour le coup, alors, il y a des frais de garde. Je ne parle même pas de l'euthanasie, ce serait quand même dommage de tuer les chiens. Il n'empêche que ça veut dire que c'est 300 euros supplémentaires, probablement, plus l'amende. Donc c'est l'opération à 400 euros. Donc je vous rappelle simplement qu'en 2008-2009, comme on avait lancé cette opération, le premier délinquant était le procureur de la République, qui habitait à Beaune à l'époque, procureur de la République de Dijon, et qui n'a pas osé me demander un passe-droit, mais qui effectivement a été sanctionné, tu te souviens, hein, d'aller rechercher son chien donc à Chany. Donc la règle est la même pour tout le monde, je le dis pour le mien, mais la chance c'est que le mien vit à la campagne. Mais qui plus est, mon épouse a trouvé d'ailleurs un procédé assez original, c'est que comme elle a toujours son petit sac, parce qu'il suffit d'avoir un petit sac, ça coûte rien, hein, voilà. C'est comme ça, il peut être de toutes les couleurs, il peut être bleu, il peut être noir. Tiens, j'en donc, ai un noir. Voilà, noir c'est encore mieux. Voilà, c'est ça. Le petit chien et le petit sac, c'est fait pour récupérer les excréments. On les met, si on met la main dedans dans le sac, ça évite de mettre la main dans les excréments, hein, ça se retourne un sac. Et après ça, on met ça dans une poubelle, c'est fait pour ça. Hein, dans ces conditions, on ne laisse pas les excréments comme ça, on les met dans le sac. C'est ceux qui vont ramasser les poubelles ne vont pas s'en mettre plein les doigts. Et mon épouse a trouvé quelque chose de très drôle, c'était de mettre, quand on voit un chien divagant, de mettre le sac autour du cou du chien, et comme ça, le chien ramène chez lui, effectivement, les excréments. Ça pourra faire de l'engrais pour les végétaux, mais enfin, dans un immeuble, c'est plus compliqué. Voilà, donc on va refaire cette opération-là, je le dis, et je remercie la police municipale. Son chef d'être là, tout simplement parce que c'est l'occasion de ramener simplement les gens à leur respect. Première opération civique, hein, de rappeler que des arrêtés municipaux, c'est là pour être appliqué. C'est dommage, hein, je pensais qu'on n'avait pas oublié, mais apparemment, il y a une nouvelle population qui ne sait pas que ça existe. Et puis, de la même manière, c'est la raison pour laquelle je remercie celles et ceux qui sont là. Il fait un peu chaud, c'est l'heure de la sieste, peut-être qu'ils viendront à 4h30, 5h, il y a le foot, il y a sûrement de bonnes raisons. N'empêche que, je remercie les services municipaux et les services de l'agglo qui sont à nos côtés, les élus aussi, n'empêche, et puis la presse, n'empêche que l'occasion est ici donnée de rappeler des choses simples. C'est que depuis maintenant un peu plus d'un an, les collectivités territoriales, donc la ville de Beaune, l'agglomération, n'ont plus la capacité d'employer des produits qui avaient une efficacité mais qui étaient des polluants. Ça s'appelle le glyphosate notamment, avec tous les dérivés, le Roundup pour ceux qui lisent les étiquettes. Alors on peut, ce qui est un peu invraisemblable, on peut l'acheter encore quand on est un particulier, l'utiliser chez soi jusqu'au 31 décembre, c'est ça. Par contre, c'est un peu dommage, c'est comme les ventes d'armes, ça, on n'a pas le droit de s'en servir, mais on a le droit de les acheter. Donc c'est un peu compliqué, donc il vaudrait mieux carrément les interdire, ça me paraîtrait plus courageux et surtout plus clair, ça éviterait les contradictions. Donc aujourd'hui, donc, la ville, dans tous les cas, n'utilise plus ça. C'est pour ça que des Beaunoises et des Beaunois, mais pas que, des touristes me disent « Monsieur le maire, la ville est sale, il y a des herbes partout. » Oui, mes amis, mais s'il y a des herbes partout, c'est que la ville est propre. C'est que justement, on n'utilise plus de produits qui peuvent détériorer l'environnement. Et dans ces conditions, c'est au contraire parce qu'on est respectueux non seulement des décrets et des lois, mais surtout parce qu'on est respectueux de l'environnement. Par contre, il n'empêche qu'on peut peut-être les uns ou les autres montrer l'exemple. On le fait l'hiver avec la neige, puisqu'il y a un vieux principe, qui est un arrêté municipal d'ailleurs, qui considère que pour des raisons de sécurité, on doit déneiger le trottoir devant chez soi. Alors bien sûr, avec des dérogations, mais qui sont subjectives, qui ne sont pas inscrites dans le règlement, mais qui existent. Quand c'est des personnes âgées, je crois qu'on peut le faire pour son voisin. Les services municipaux sont aussi là pour ça, pour le faire d'une manière générale. Hein. Donc ce n'est pas une économie, entre guillemets, budgétaire pour la ville, c'est simplement un engagement civique pour faire qu'on ne reproche pas aux autres ce qu'on ne fait pas soi-même. Voilà. Donc l'idée, c'est d'ailleurs probablement, on ne va pas le faire tout de suite, même punition, on va commencer par communiquer pour dire « faites-le volontairement ». Si on ne le fait pas volontairement, dès la rentrée, on sera peut-être amené, pour éviter la germination, bon, ben, c'est un peu tard maintenant, on va effectivement prendre un arrêté également pour dire, comme on le fait pour la neige, qu'on prend un arrêté pour désherber devant chez soi. Effectivement, ça peut amener, lorsque ça dépasse, je vois que là-bas, il y en a une belle grande, là, ça dépasse à certains niveaux. Quand il y en a une ou deux, ça va, mais quand c'est 10 mètres carrés, ça peut amener un peu de vermine, du rat, du serpent, j'en passe, c'est les meilleurs. C'est effectivement pas l'idéal. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs, on est en droit d'exiger qu'un riverain qui laisse son terrain délaissé doit être bien en demeure d'avoir à nettoyer son terrain. S'il ne le fait pas, c'est une croix et la bagnette, c'est une procédure très lourde, mais quand même.
Hein, si elle ne le fait pas, on peut être effectivement amené à le faire assez frais. Ça existe encore à Beaune sur 5 ou 6 terrains qui sont récalcitrants. On connaît les problèmes, c'est souvent des indivisions. Le cas s'est arrêté pour être pris dès cet été, si bien évidemment il n'y a pas d'action volontaire. Voilà, donc je le dis pour nos amis de la presse qui sont ici, pour que le message puisse passer. Je crois que c'est important qu'on ait cette communication. C'est bien sûr l'utilité de ce genre de manifestation. C'est bien sûr qu'on puisse donner un peu de notre sueur. Et puis c'est également faire passer le message que si chacun fait ça, c'est quoi? C'est une demi-heure de bonne volonté. C'est 500 grammes en moins. L'occasion également de rester en meilleure santé, de justifier le soir de boire un verre de vin de Beaune devant la télé en regardant le match. C'est mieux que la bière, même s'il y a de la bière de Beaune aujourd'hui. Donc c'est une œuvre de salubrité, de santé publique à laquelle je vous convie. N'hésitez pas, voilà. Et puis c'est l'occasion également de mieux connaître le tri prévention, de rappeler que le tri existe, qu'il y a des moyens, qu'il y a aussi la capacité de ne pas mettre n'importe quoi dans les différentes bennes de couleurs. On aura d'ailleurs une opération à faire bientôt sur le cimetière, parce que c'est pas les morts qui polluent, c'est effectivement les gens qui viennent quelquefois et qui mettent de la terre dans les bacs, qui mettent des végétaux dans les bacs, alors qu'on va reprendre en main là aussi, on va peut-être créer un double bac, en obligeant bien sûr les gens à trier. Je crois que quand on va voir une tombe, on a un peu de temps, c'est aussi l'occasion de montrer à ceux qui ne sont plus là qu'on a pris la leçon et qu'on essaye les uns ou les autres d'essayer de respecter l'environnement. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long parce que je pourrais dire pendant une petite heure. L'important c'est que vous puissiez discuter avec les femmes et les hommes qui sont derrière moi, que vous puissiez poser des questions, ils sont là pour vous y répondre, qu'on puisse bien sûr sensibiliser tout le monde à cela. Je vais laisser la parole à Nadine qui a plein de choses à vous dire, d'autant plus qu'on va avoir bientôt la visite du jury des quatre fleurs, parce que n'oubliez pas qu'on est champion d'Europe du fleurissement, mais le fleurissement c'est pas simplement faire beau. C'est aussi montrer qu'on a des projets environnementaux qui vont venir, qu'on a aussi le souci de faire de Beaune une ville-jardin. C'est pour ça qu'on est peut-être une des seules villes qui achète encore des terrains courants inconstructibles pour créer des parcs, y compris la Cité des Vins, qui sera, vous le savez, une zone zéro carbone. J'y tiens, c'est pas simple. Tout le monde m'a dit, bah oui, mais comment on va faire les bus en privé pour la logistique? Bah tant pis, les bus, on les déposera à quelques mètres. On aura des moyens, bien sûr, d'accessibilité, des moyens électriques. Les personnes dépendantes, la mobilité réduite, et puis on marchera un peu, et puis on aura bien sûr des navettes électriques. C'est aussi ça, l'engagement qu'on peut avoir demain par rapport à ça. Donc il faut montrer l'exemple, l'hôtel Dieu du 21e siècle que serait la Cité des Vins, c'est aussi ça, c'est une exigence par rapport à notre planète, par rapport à l'environnement. Là, je passe la parole à Nadine, et puis n'hésitez pas à poser des questions. Merci pour ceux qui sont là. Je suis un peu comme monsieur le curé, j'engueule ceux qui ne viennent pas à la messe. Ceux qui ne sont pas venus ont tort. Mais je crois qu'ils devront, comme les autres, probablement faire acte de volonté pour embellir notre ville et la